Maman, est-ce que je vais pouvoir reprendre les cours la semaine prochaine ? J'aimerais bien que tu reprennes tes cours. Mais pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé l'argent pour te payer les choses dont tu as besoin pour reprendre les cours. Maman, j'avais constaté que depuis que papa était décédé, nous souffrons énormément du manque d'argent. Oui, ma fille. Ton père ne nous avait rien laissé avant de partir. Raison pour laquelle nous traversons cette situation tellement si difficile. Je m'inquiète énormément pour ton avenir. Je ne sais vraiment pas pourquoi ma grande sœur et mon grand frère nous ont aussi tourné le dos. Tu sais, je les comprends parfaitement, car ils ont aussi une famille en charge. Ce n'est pas une raison quand même. Parlant de ta grande sœur, elle m'avait appelé la semaine dernière pour que tu ailles continuer les études chez elle. Waouh, belle proposition. Je vais pouvoir voyager moi aussi. Cependant, je ne lui ai pas encore donné une réponse concrète. Car je n'aimerais pas qu'elle te transforme en une domestique dès que tu seras chez elle. Même si elle a un bon mari. S'il te plaît, maman accepte. Lorsque j'irai chez ma grande sœur, je me concentrerai sur mes études. Et j'obtiendrai de grands diplômes afin de bien gagner ma vie. Comme ça, je vais pouvoir t'offrir tout ce que tu voudras un jour. Maman, je te promets que, un jour, tu seras fière de moi. Je t'offrirai tout ce que ton cœur désirera, car tu as beaucoup souffert pour nous. Merci ma fille. Tes paroles me touchent énormément. Vraiment, la soirée était magnifique. J'ai beaucoup adoré. Ça me fait plaisir de t'entendre parler, ainsi. J'ai de la chance d'avoir trouvé un mari comme toi. Merci ma femme. Tu sais, demande-moi tout ce que tu voudras, et elle te sera accordée. Mon époux. Depuis que notre femme de ménage avait démissionné, j'ai vraiment du mal à faire le ménage toute seule. Mais qu'attends-tu pour recruter une autre femme de ménage ? Je n'aime pas te voir trop travailler. J'aimerais que ma jeune sœur vienne vivre avec nous. Tu m'avais déjà dit cela. Oui, je sais. Cependant, j'aimerais aller la chercher moi-même. Avec plaisir. Si tu veux, demain à la première heure, je t'emmènerai à l'aéroport afin que tu ailles la chercher. Oui, je le veux. Comme ça, on n'aura plus à recruter une autre femme de ménage. Elle s'occupera de tout. Et je n'aurai plus à trop travailler dans la maison. En plus, on n'aura rien à payer. Exactement. Mais, je ne sais pas si ma mère la laissera partir. J'aimerais bien t'accompagner. Mais par contre, je n'aurai pas le temps. Si elle refuse de te donner la petite, appelle-moi. Comme ça, je pourrai la rassurer au téléphone. Car je sais qu'elle a confiance en moi. Elle sait pertinemment que je suis un bon mari pour sa fille. D'accord, on fera comme ça, alors. Bon voyage à toi, ma moitié. Merci, mon époux. J'espère bien que ma mère laissera ma sœur me suivre. Maman, nous sommes prêts à partir. S'il te plaît. Promets-moi de bien prendre soin de ta sœur. T'inquiète pas, maman, tout se passera bien. Car moi et mon mari prendrons très bien soin d'elle, là-bas. Oui, je sais. Je vais prendre soin d'elle comme mon enfant. D'accord, tu me rassures. Promets-moi que tu seras sage. Je te le promets, maman. Lorsque je reviendrai te voir, tu seras tellement contente de moi. Tu vas beaucoup me manquer. Moi aussi, maman. Je t'aime, maman. Je t'aime, ma fille. Merci, grande sœur, d'être venue me chercher chez notre mère. De rien, jeune sœur. Waouh, comme c'est beau de prendre l'avion. J'imagine la somme que tu as dépensée avant que je ne sois ici aujourd'hui. C'est beau. Mais il faut beaucoup d'argent avant de prendre cet appareil. Tu dois savoir que tu as du pain sur la planche. Tu vas beaucoup travailler lorsque tu seras chez moi. Car moi, je ne fais rien gratuitement. Et oui, petite sœur, c'est comme ça. Oui, je sais que je dois beaucoup travailler à l'école afin de pouvoir décrocher de grands diplômes pour te rendre fière sœur. Je te promets que tu seras fière de moi. Tu n'as encore rien compris. Si, j'ai compris, grande sœur. Tu ne sais même pas encore
ce qui t'attend. Waouh ! Quelle est belle, ta maison. Merci. Bon, sans plus tarder, tu iras te changer. Car je t'avais déjà préparé une tenue spéciale, pour le nettoyage de la maison. Tout à l'heure, tu me feras le nettoyage. Et gare à toi. Si je retrouve une graine de poussière dans la maison. Tous les jours, tu feras le nettoyage de toute la maison. Tu appelleras mon mari, papa. D'accord. Tu dormiras sur le sol du couloir. Tu seras la dernière à te coucher, et la première à te lever. D'accord. Tu mangeras aussi dans le couloir, après que tout le monde ait fini de manger. Je ne veux jamais te voir avec mes enfants. Bon, je m'en vais. C'est compris ? Oui, j'ai compris. Waouh ! Je ne pouvais jamais imaginer que ma propre sœur pourrait me traiter comme ça, chez elle. En gros, si je comprends bien, elle est venue me chercher chez notre mère, pour me transformer en une domestique chez elle. J'ai hâte de voir le comportement de son mari. Dans un premier temps, j'irai voir mon mari au bureau, avant d'aller dans ma boutique. J'ai hâte de le revoir. Tu es bien arrivé ? Oui, mon époux. Tu m'avais tellement manqué. Moi aussi. Et la petite ? Elle est à la maison, en train de faire le ménage. Ok. J'espère qu'elle le fera bien. Elle a intérêt. Sinon, elle ne mangera pas. Es-tu satisfaite que ta sœur soit maintenant avec toi ? Oui, je suis très satisfaite. Merci de m'avoir aidé à réaliser ce projet. Je n'aurai plus à dépenser un sou dans une femme de ménage. Merci beaucoup. De rien. Bon, j'irai dans ma boutique. Ok. À ce soir. À ce soir. Il y a tellement de poussière dans la boutique. Je pense que ma sœur doit venir faire le nettoyage ici. De toute façon, elle n'aura jamais de repos tant qu'elle sera dans ma maison. Qu'est-ce qu'elle attend encore, cette petite fille ? Pour venir débarrasser la table. Elle va m'entendre, cette petite. Papa ? Qu'est-ce que j'ai encore fait de mal ? Tu oses me demander ce que tu as fait de mal ? Voilà ma réponse. Je souffre énormément. Comment vais-je faire maintenant pour informer ma mère de ma situation ? Quoi ? Je ne t'avais pas interdit de t'asseoir dans mon canapé ? Tu as osé me désobéir en faisant cela ? Excuse-moi, grande sœur. Tu seras privée de nourriture pendant 2 jours. Pardon, grande sœur. Je souffre énormément. Je vais appeler ma mère sur le téléphone fixe de la maison, afin de lui expliquer ma situation. Aïe aïe aïe. Tu as osé appeler maman ? Je ne t'avais pas interdit de toucher au téléphone ? Tu n'as encore rien vu. C'est maintenant que ta souffrance va réellement commencer. Personne ne pourra te venir en aide ici. Tu es à notre messie, et nous allons te traiter comme bon nous semble. Bon. Je sors avec mes copines. D'accord, amuse-toi bien. Merci. Enfin. Ma femme est partie. Il est temps que je mette en application mon plan. Je m'en vais rejoindre cette petite. Que voulez-vous, papa ? Arrêtez, s'il vous plaît. Je suis en train de travailler. Tu te laisses faire, ou j'utilise la force. Je vous en supplie, ne me faites pas ça. Tais-toi, et viens ici. Mais qu'est-ce qu'elle a, cette fille ? J'entends la voix de mon mari. Ça y est, j'ai tout compris. J'ai réussi ma mission, je suis très content. Il m'a détruit. Donc tu veux me prendre mon mari ? Sors de ma maison, avant que je ne te fasse du mal. Grande sœur, ce n'est vraiment pas ce que tu crois. Et s'il te plaît,
ne fais pas ça. Car, je n'ai nulle part où aller. Je ne veux plus rien savoir, sors de chez moi, maintenant. Va te débrouiller. Je ne veux plus jamais te revoir. Adieu. Cela fait quelques mois déjà que je suis à la rue. Je ne peux même pas retourner chez ma mère, car je n'ai même pas d'argent pour me payer un billet d'avion. Comment vais-je faire maintenant? Ça va? Ma petite? Mais pourquoi tu parlais toute seule? Madame, mon histoire est très longue. S'il vous plaît, pourriez-vous me donner quelques pièces, afin que j'aille acheter quelque chose à manger? Car cela fait 2 jours que je n'ai rien pris. Excuse-moi. Mais où est ta maison? Je n'ai pas de maison. Je vis dans la rue. Je ne peux pas te laisser dans la rue. Attends, je vais fermer ma boutique et t'emmener chez moi. D'accord, madame. Voilà mon histoire, madame. Waouh. Ton histoire me touche énormément. Comment est-ce qu'on peut vivre ce cauchemar de la part de sa propre famille? Je déplore leur acte. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ t'a sorti de la rue. À partir d'aujourd'hui, je vais faire les démarches administratives afin de t'adopter. Êtes-vous croyante? Madame. Ma fille, je suis une chrétienne. Vraiment, vous avez un bon cœur. J'aimerais aussi devenir une chrétienne comme vous. Car votre geste m'a touchée. Tu sais, je t'annonce que tu hériteras de tous mes biens, car je n'ai plus d'enfant. J'ai perdu le seul enfant que j'avais. Vraiment, les mots me manquent. Comment puis-je vous dire merci? Ma fille rend toute la gloire à Dieu, car c'est lui seul qui le mérite. Moi, je ne suis qu'un canal que Dieu a utilisé pour toi. J'ai de la haine et de la colère envers ma sœur et son mari. Tu sais, ma fille, un chrétien doit être débordé d'amour. Demande à Dieu de te remplir de son amour. Tu verras que ces sentiments disparaîtront de toi. Alors, que penses-tu faire maintenant? Je pensais aller voir ma maman. Car cela fait déjà quelques années que je n'ai plus eu de ses nouvelles. Elle serait très contente de me revoir. Tu m'étonnes, je ne m'en doute absolument pas. Enfin, je remercie le grand Dieu de t'avoir retrouvé sain et sauf. Merci beaucoup, maman, mais ça n'a pas été du tout facile. Oui, je sais, ma fille. Car je suis au courant de tout ce qui s'était passé. Ah oui, maman? Ta sœur m'avait tout raconté et m'avait présenté des excuses en pleurant au téléphone. Ah d'accord. Mais, tu sais, maman? Tout ça, c'est du passé aujourd'hui. Et je les ai déjà tous pardonnés. Jésus-Christ a complètement apaisé mon cœur. Et je n'ai plus aucune haine et aucune rage envers ma sœur. Alléluia, ma fille, je suis tellement contente que tu as pu les pardonner. Je rends infiniment gloire à l'Éternel pour cela. Chers parents, n'abandonnez jamais vos enfants. Car beaucoup d'enfants sont réduits en esclavage domestique, sans existence juridique. Maltraités et torturés. Et très peu de ces enfants arrivent à retrouver la force de surmonter ces effroyables épreuves avant de se reconstruire et de vouer leur vie à la lutte contre le fléau dont ils ont été victimes. Certains enfants sont victimes des violences physiques, des coups et blessures, des bousculades, des violences morales et psychologiques, les injures, l'exclusion, les abus et beaucoup d'autres choses. Les parents doivent entretenir et protéger leurs enfants. Ils doivent veiller sur leur sécurité en les nourrissant, en les hébergeant et en leur prenant des décisions médicales. Autant que cela dépendra de nous, gardons toujours nos enfants proches de nous et mangeons le peu de nourriture que nous avons au quotidien avec eux. Et apprenons-les à être fiers et contents. Car, voici que des fils sont un héritage de l'Éternel, le fruit des entrailles est une récompense. Je te loue, Éternel, pour ta bonté et pour tes merveilles en faveur des fils de l'homme. Car tu as satisfait l'âme altérée et tu as comblé de bien l'âme affamée. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de toi, Éternel. Que le nom de l'Éternel soit glorifié et exalté jusqu'au siècle des siècles. Amen. Et voilà, mes frères et sœurs, ça sera tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mettre un j'aime, de la commenter et de la partager à votre entourage afin qu'une seule âme soit sauvée et restaurée. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Les Ateliers d'André pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse et vous protège. Votre sœur Pélagie. Et votre frère André.